Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le chef de la brasserie élite, Stéphane Chevalier, avec qui on va cuisiner un gâteau de foie de volaille. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on va mettre en pratique le gâteau de foie de volaille. Alors, une recette pour 4 personnes. Donc, on va mettre 250 g de foie de volaille. Donc, foie de volaille, on enlève bien les nerfs, on les nettoie bien comme il faut. Après, on va les passer au hachoir. Nous allons émincer une petite échalote. On va hacher le persil, assaisonner à notre convenance. Bien entendu, il faut avoir des couteaux qui coupent bien. Un peu de sel. Mélanger tout ça. Et après, nous allons le réserver au frigo. On prépare ensuite une béchamel. Un demi-litre de lait. Une casserole pour faire le roux. Un petit roux. Donc le roux, c'est beurre, farine. 150 g de beurre. De la farine. Alors, on va faire une béchamel un peu épaisse quand même parce que le gâteau de foie de volaille prend beaucoup d'eau. Encore un petit peu. On verse le lait dans le roux. La moitié. On va ensuite monter des blancs en neige. Tombe pas. On va mélanger la béchamel. La mélanger doucement. Puis on incorpore délicatement les blancs en neige pour ne pas les casser. Et on va mettre le four à chauffer préalablement. 180-200 degrés et pour la cuisson entre 35 et 40 minutes. On va beurrer les moules, bien les beurrer, pas avoir peur. Voilà, et nous allons y mettre au bain-marie, bien entendu. Et c'est parti pour mettre en cuisson. Et voilà. Merci, monsieur Lamoune. Et voici le gâteau de foie de volaille après cuisson et dressage. Je voulais juste évoquer en fait comme sur la qualité du repas de ce restaurant, parce que c'est une première pour nous, et sur la qualité déjà de la présentation, sur la qualité de la viande, qui est exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, et je dis à tout le monde vraiment, j'invite tout le monde vraiment à connaître cette identité de ce restaurant, parce que je pense que ça vaut largement le coup d'y venir et d'y goûter au moins une fois. Voilà. Et pour ce qui est dessert, le vacherin pour moi, j'ai 42 ans, je n'ai jamais mangé aussi bon que celui-ci.